à Montmartre, ils ont rien. Alors je vais la refaire. Enterprise. Vous m'avez pas vu. Comme ça. Ça va, monsieur, dame? Bonsoir, madame. C'est bien, enchanté. Vous êtes installé, tout ça? Ah, oh, c'est bien, il y a tout le monde ce soir. Ah, ben oui, pas Montmartre. Montmartre, c'est quoi Montmartre? Hein? Qu'est-ce qu'il y a à Montmartre? Il y a des marques? Monsieur, lève la main là-bas, où il y a quoi à Montmartre, monsieur? Je suis anglais. Oh, you, tu es anglais? Je suis anglais. Je te donnerai mon numéro de téléphone après. Et tout à l'heure, je te montrerai mes fesses. Arthur! Bon, tais-toi, tu parles très bien français, tu vois, je t'ai pas vu, oui? Alors, à Montmartre, il y a quoi, monsieur, dame? Il y a le Moulin Rouge, et puis à quoi y aller? Il y a les peintres. J'ai l'impression d'être à l'école. Et puis à Pigalle, quoi, Pigalle. Bah oui, Pigalle. Les péripapéticiennes, quoi. Les garcheuses. Vous savez que les filles qui faisaient du cancan, elles avaient une petite culotte fendue. Ouais, bah oui, c'est vrai, hein, c'est dans l'histoire. On engageait les prostituées pour qu'elle aide la gambette avec une culotte fendue, et l'objectif c'était de voir ce qu'il y avait sous la culotte. Mmh. Je vous en apprends ce soir. Mmh. Il n'y a pas que le burlesque hein, dans la vie, hein, bordel. Donc Montmartre, Pigalle, c'est un refrain, donc on va chanter tous ensemble. Je déclare la salle coupée en deux à partir d'ici. Monsieur qui mâche le chigo, vous êtes devant. Donc le refrain, c'est quoi? Les mots du refrain, c'est quoi? Ça fait Pigalle. J'ai trop mangé de choucroute. Oui, bon, voilà, ça c'est un refrain, mais bon, c'est... Eh ben, ça tombe bien, et... Oh, bah, GG. Oh, GG, ça va, mon Dieu. GG, bah, dis donc, t'avais froid ce soir, il a mis la doudou, là. Alors, GG, il est au comptoir tous les soirs. Non, mais excuse-moi, si je crois que j'ai dit. Il est au comptoir tous les soirs, hein, parce que, vous savez, Pigalle, c'est un petit quartier, tout le monde sait tout le monde, un GG, hein. Hein? On va voir les petites femmes de Pigalle. J'ai des fourmis et je deviens Pigalle. Ah, t'es content, hein? Eh ben voilà, mon GG, ça ira ça avec ta femme ce soir, hein. C'est ça, nous avons décidé que le casting de la nouvelle scène est ouvert. Monsieur, nous recrutons. Fermez les portes. Les toilettes, de toute façon, c'est pas la peine d'essayer de sortir. On est sorti du quai. On est sur la scène, donc si vous voulez sortir, c'est trop tard. Précision, nous recherchons des hommes. Les filles, si vous avez des comptes à régler, c'est le moment. Y a-t-il des groupes dans la salle? Y a-t-il des gens qui ont des gens à dénoncer? Excusez-moi, alors j'ai repéré quelqu'un. J'en ai repéré un autre, on a des comptes à régler. Oui. L'homme venait par ici, c'est... Allez bien, mon petit gars. On a une longue histoire tous les deux. Ça a toujours été très platonique, mais... Oh là là, et puis les musclés en plus. Ça tombe bien de chercher des hommes musclés. Alors, je vais demander quand même compliment pour les autres, hein, parce que je le connais. Julien. Vous avez entendu cette voix? C'est l'intérieur. Il vient du fin fond du... Oh, excuse-moi, Julien, j'arrive. Monsieur, c'est qui quand... Le suivant, c'est qui? Allez, come on!
vuole che te vada, tu hai capito? Per me è Lisa. Je m'appelle Oliver. Li vuole che te vada. You can push my ass. C'est la première fois que j'ai trois hommes avec moi. Ce soir. Nous avons Julien, Oliver. Oliver, il can, tu me peux enlever ta veste. Alors les gars, position, préparation, départ. Attention, on se met en quinconce. Super, Julien en centre. Oliver, ready? Nous allons apprendre quelques pas de cancan. Les gars, le premier pas de cancan, sur un petit peu de musique, merci. Le premier pas de cancan, lorsqu'une sonne n'est pas contente, ça donne un... Donc c'est le coup de pied de la madame. Embrace it, okay?
Do you know Offenbach? Alors les gars, attention, nous allons le faire sur la musique, le vrai cancan. C'est parti, musique maestro. Allez, fire. Bye bye les gars, on se retrouve à la caille. Allez, filez vite avant que je vous croque les fesses.